Eh bien salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué, réservé aux membres premium. Je remercie vraiment tous ceux qui rejoignent Tuto Magie Premium, ça me fait vraiment plaisir, ça me soutient énormément. Donc un grand merci. Et pour ceux qui n'ont pas encore souscrit à Tuto Magie Premium, vous avez d'office accès à 70 tours expliqués, réservés aux membres premium. Sur ce, aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué, vous allez voir une tour vraiment très simple à réaliser, totalement automatique, très sympa à faire, très jolie, très esthétique. Franchement, c'est plutôt sympa, il y a un petit regroupement de plusieurs effets dans la même routine, c'est très propre, moi j'aime bien. Comme d'habitude, la démonstration, pour ceux qui ont accès au contenu premium, vous avez le lien directement dans la description, et également ceux qui voudraient se procurer uniquement le tour à l'unité sur ma plateforme de VOD sur mon site tutomagie.com. Pour les autres, profitez de la démonstration, n'hésitez pas à aller voir également mon site pour avoir accès à de nombreux tours gratuits. Si la vidéo vous plaît, que le contenu que je vous propose vous plaît, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu, ça m'aide beaucoup. Lâchez moi aussi un commentaire, n'oubliez pas que je les lis tous un par un, et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Allez, c'est parti pour la démo. Allez, c'est parti pour la démo, et pour ce tour, on va avoir besoin d'un jeu de cartes, un jeu de cartes de 52 cartes, hein, complet. Et regardez bien, pour commencer, on va avoir besoin normalement d'un spectateur. Je vais le jouer le rôle du magicien du spectateur, mais normalement c'est le spectateur qui fait ça. On lui tend le jeu et on lui demande de choisir un nombre entre 10 et 20, histoire de ne pas faire traîner le tour sur la longueur. Donc imaginons le spectateur choisit le nombre de son choix, on va dire, allez, on va prendre 14 pour l'exemple, voilà 14. Il prend le jeu comme ceci, il va distribuer 14 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Comme ceci. Parmi, il prend les 14 cartes ici, et vous lui expliquez qu'en fait, il n'existe pas de nombre magique, mais uniquement des chiffres magiques. Donc pour déterminer ce chiffre, ce qu'on va faire, on va prendre son nombre, on va le décomposer, qui est composé de 1 et de 4, et on va additionner ces deux chiffres pour créer notre chiffre magique. Donc 1 plus 4, ça fait 5, et on va prendre le paquet ici, et distribuer donc 5 cartes. Ça correspond au chiffre magique. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, on montre, le spectateur prend connaissance de cette carte. Donc ici, je vais la voir, mais normalement, le magicien n'est pas censé voir cette carte. Hein. Donc ici, vous prenez connaissance, donc vous la mémorisez. Donc là, je la regarde. Donc, As de cœur, très bien. On fait comme ceci, on la repère et on repère le tout juste ici. Et là, en tant que magicien, je vous propose de retrouver cette carte de façon assez originale. Je m'explique. Je vais prendre les cartes comme ceci et je vais les distribuer une à une. Comme si j'épelais des cartes. Donc imaginons, je vous fais un exemple, imaginons que le spectateur aurait choisi un roi. À un moment, je vais distribuer les cartes une à une, et pour former le mot, donc dans sa tête, imaginons ce serait un roi, je ferai tout simplement, non, on va faire R, O, I, et là le spectateur me dirait stop, vous voyez. Je ne sais pas si vous avez bien compris, par exemple si je le prends sur un valet, imaginons je fais, je distribue comme ceci, donc le spectateur dans sa tête c'est fait V, A, L, E, T, hop, il me dit stop, et il m'arrête. Mais moi, je suis pas censé savoir quelle carte il a en tête. Hein. Donc voilà, on va faire ça maintenant avec la carte que le spectateur a choisie. Donc normalement, c'est lui qui m'arrête. Bon, je sais quand m'arrêter, vu que j'ai vu la carte, c'était un as de cœur. Mais normalement, n'oubliez pas que c'est le spectateur qui fait ça, parce que vous ne connaissez pas cette carte. Donc je commence, je vais doucement. A, S, stop, il me dit stop. Après, c'est 2, D, E, ça c'est pour toutes les cartes, on s'en fout. Et ensuite, il y a la famille, cœur, trèfle, carreau, ou pique. Donc je distribue, moi je sais que c'est cœur, mais normalement je vais doucement, c'est le spectateur qui m'arrête. Donc C, O, E, U, R, stop, il me dit voilà, on s'arrête là. Et là, donc après tout ça, après les choix qu'a fait tout le spectateur, etc., le spectateur est invité à révéler la carte qu'il a choisie. Donc moi je sais, hein, c'est l'as de cœur, ça serait fort que la carte suivante, ça soit l'as de cœur. Et voilà, c'est un vrai petit miracle. Mais un vrai miracle, ce serait encore mieux s'il s'accompagnait tout simplement d'un carré d'as de la carte choisie au départ par le spectateur. Et bien entendu, tout peut être laissé à l'examen. C'est un très joli petit effet, très facile à réaliser, qui fonctionne à tous les coups. Et voilà, après à vous d'adapter votre présentation, etc. qui va avec. Mais voilà, vous avez ce petit rendu final, un joli petit tableau à la fin de votre tour.